Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir finir la saga de Sangoku Black sur Dragon Ball Sparking Zero. Alors il faut savoir que quand vous avez un petit épisode comme ça avec les petites flèches vertes, même s'il n'y a pas d'autre chemin, vous devez réaliser l'objectif alternatif qui sera affiché pendant votre combat quand vous appuyez sur option. Si vous ne le faites pas, vous ne débloquerez pas tous les chemins secrets et vous ne pourrez pas terminer la saga de Sangoku Black. Alors petite précision pour le début de la saga, le premier épisode début de l'acte 3, il va falloir battre tous les ennemis super rapidement. Donc je crois qu'il y en a 3 au total et vous allez devoir les battre très rapidement, genre en moins de 2 minutes. Donc j'ai un peu galéré mais voilà, si vous voulez une astuce, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je mettrai en description en commentaire épinglé. Ça vous présentera une technique ultime pour battre tous les boss super facilement. Alors ici pour l'épisode Leur Choix, pour fusionner, vous allez devoir emmagasiner 3 ou 4 barres d'énergie pour pouvoir déclencher la fusion. Si vous n'économisez pas ces barres d'énergie, vous ne pourrez jamais fusionner. Et ensuite, quand vous aurez fusionné, vous n'aurez plus qu'à battre votre ennemi pour débloquer la fin alternative juste au-dessus. Pour l'épisode Responsabilité Divine, vous allez devoir aussi vous transformer et puis ensuite battre votre ennemi. Mais pour se transformer dans celui-là, il va falloir encaisser pas mal de coups. Donc quand vous aurez plus que une ou deux barres de vie, là à ce moment-là, votre personnage se transformera et peut-être qu'il vous faudra au moins une jauge ou deux d'énergie pour pouvoir vous transformer. Et pour le dernier épisode qui s'appelle Crime, Jeu et Châtiment et qui mettra fin à la saga de Sangoku Black, ce que vous allez devoir faire, c'est de réussir à encaisser une taillade du dernier espoir. Donc ce que je vous conseille pour réaliser cet objectif alternatif, c'est dès le début du combat, vous ne combattez pas, vous ne faites rien, vous ne touchez pas la manette. Et au bout de 1 minute plus ou moins, là vous allez voir que Trunks va débarquer. À ce moment-là, vous vous battez contre Trunks et vous allez devoir réussir à lui enlever toute sa vie. Ensuite, quand il n'a plus de vie, surtout ne l'attaquez pas. Parce que si vous l'attaquez, là vous allez pouvoir le finir. Mais si vous ne l'attaquez pas, à un certain moment, il va déclencher justement la taillade du dernier espoir. Et là, vous allez tout simplement devoir l'encaisser. Ce qui va bien entendu vous tuer, mais ça mettra fin à la saga de Sangoku Black et vous débloquerez le trophée.